ça. Regarde, par exemple, on dit quand ça a été racheté comme on va attendre deux secondes. Ouais. Hier, au moment où ils ont racheté, tout le monde en a parlé. Vas-y, c'est parti. Oh, bonjour les amis. Ouais, ça arrive. Sur le site de réinformation le plus visité de France, je suis pas 1 € de subvention. Et pourtant, c'est le plus visité de France. On taille. Ouais, c'est un point, j'ai un papier là. Oh ouais, les amis, donc voilà, on vient de ressortir de la petite réunion organisée avec le directeur de publication. Qui nous a reçus généreusement, il faut aussi dire de manière objective ce qui marche, et ils ont quand même pris le temps de nous recevoir. Ouais. Simplement, voilà, on ne fait que vous faire un petit briefing, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites en off. Et en fait, il semblerait que le Parisien défend sa ligne éditoriale, défend sa ligne de proximité avec les citoyens, parce qu'apparemment, ils ont l'habitude d'inviter des gilets jaunes au sein même du Parisien, d'inviter des citoyens à parler de tous les sujets. Ils n'ont pas de censure particulière avec certains sujets. Bon, moi, je pense le contraire. Simplement, on pouvait pas... Sachant qu'on n'a pas eu le temps de développer tous les sujets. Ça a duré quoi, 10-15 minutes, hein, max. Moi, ce que je relève quand même cet aspect positif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'il s'agissait de Bernard Arnault, c'est-à-dire le premier actionnaire qui est quand même un oligarque, c'est pas n'importe qui, c'est la première fortune de France. C'est un des oligarques les plus puissants de France. Quatrième fortune mondiale. Bernard Arnault, il ne peut pas y avoir d'article fait sur lui. Là où je ne suis pas en accord avec le directeur de publication et nous ne sommes pas en accord avec le directeur de publication, c'est qu'il y a eu un événement en 2016, on n'a pas le temps d'en parler avec lui, c'est qu'en 2016, les syndicats de journalistes ont alerté la direction de publication justement du Parisien qui avait une autocensure au sein du Parisien. Une autocensure réelle, parce qu'il y avait des articles sur Bernard Arnault. Par rapport à quelle affaire? Par rapport au film de Monsieur Ruffin en 2016 qui s'appelait Merci Patron, oui. Sur LVMH. Donc forcément, c'était sur Bernard Arnault. Et il n'y a pas eu de critique possible. Donc il y a eu de l'autocensure qui s'est produite au niveau notamment des éditocrates du Parisien. Et ça, on n'a pas la réponse de ça pour l'instant. Voilà. On l'aura peut-être la prochaine fois. Et donc lors de ce rendez-vous, on va rappeler, nous, ce qu'on a essayé de poser, c'est pourquoi Bernard Arnault, milliardaire, investit, d'habitude il investit dans des choses qui vont lui rapporter, alors que là, c'est à perte. Réponse du directeur du publication, parce que Bernard Arnault veut défendre la valeur de l'information qui est une valeur démocratique. Exactement. Voilà, alors c'est la prétention, enfin du moins c'est la réponse que nous a donnée... démocrate Bernard Arnault. C'est la réponse qui nous a été donnée. J'aurais voulu, moi, directeur. Définir le mot démocratie avec le directeur, mais bon, on n'a pas eu le temps. Alors... Parce que chacun entend ce qu'il veut sous le nom valeur démocratique, on est d'accord. Hein. Déjà, les valeurs en elles-mêmes, ça peut poser question. Et en plus, démocratique... je demande à voir la définition de Bernard Arnault de ce qu'est une démocratie. Alors, en tout cas, le directeur nous a bien confirmé que depuis qu'il est là, depuis 10 ans, ils ont perdu pratiquement 200 000 lecteurs. Donc, ils vendent moins. De 500 000 à 300 000. Voilà, de 500 000 à 300 000. Il nous a bien dit que il continuait à perdre de l'argent, aujourd'hui encore. Il nous a expliqué que le journal Le Parisien n'était pas un journal d'opinion, mais un journal des opinions. Et on s'est permis de lui dire que si c'était vraiment un journal des opinions, alors ce serait le premier journal de France. Mais ce n'est pas le cas. Et il nous a invité donc à le juger factuellement sur les articles qui sont rédigés, qui sont... Bah, la même réponse que d'habitude, achetez notre journal. Exactement, achetez notre journal. Maintenant, je reviens sur cette réponse. Et je vous laisse méditer sur ça. Donc, pourquoi un oligarque comme Bernard Arnault s'intéresse dans les médias? Donc, c'est parce que le média, l'information, c'est une valeur démocratique à laquelle il veut défendre. Donc, c'est pour ça, c'est cette raison qu'il aurait donné au directeur lorsqu'il est venu reprendre le journal. Et donc, cette ce serait réponse, sa motivation principale. C'est pour ça que je l'ai lancé là-dessus. Alors après, il n'a pas voulu me répondre parce qu'il s'en tient en Parisien. Mais du coup, on peut se poser la question suite à sa réponse. Est-ce que les autres oligarques tels Patrick Drahi, Xavier Niel, Dassault, exactement, est-ce qu'ils sont soucieux de cette valeur démocratique aussi est-ce qu'ils sont tous soucieux de ça? Alors on a tenté cette approche avec le directeur donc, du Parisien. On lui a posé la question donc, du financement du média par donc, des oligarques, par des milliardaires ou bien par des pays étrangers. Et on a donné l'exemple de RT France. Donc RT France qui est très critiqué parce que financé par l'étranger, par la Russie, Kremlin. Par le Kremlin, par Poutine, par ce que vous voulez. Et qui produisent une information
selon où est-ce qu'on se situe, je dirais, sur l'échec sur l'échiquier politique, ce serait une chaîne d'information qui serait ennemie ou amie, on ne sait pas trop. Parce que nous, ce qu'on a essayé de mettre au centre de notre discussion avec le directeur, c'est cette valeur dont il parle qui est la valeur de l'information. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir une information, accès à une information coupée, recoupée, vérifiée et transmise de manière gratuite lorsque cette information touche au bien commun, touche à l'intérêt commun de chacun des citoyens de ce pays. Et pas prémâchée par l'AFP, donc. Alors ça, c'est évident. Donc on nous dit ici qu'ils ont beaucoup d'équipes de reporters sur le terrain qu'ils ont eu cette volonté de les conserver partout sur l'Île-de-France. Je lui ai rappelé au directeur quand même que son journal s'appelle Le Parisien et qu'il vise l'Île-de-France, parce que ce n'est pas un journal national, d'accord ? Donc il vise Paris et la banlieue. Aujourd'hui en France, c'est ça le Parisien, voilà. En province, c'est aujourd'hui, voilà, en France. Voilà, aujourd'hui en France. Donc on l'a remis devant les chiffres des subventions publiques, donc de Aujourd'hui en France et du Parisien, qui cumulé des deux, c'est à hauteur quasiment de 10 millions d'euros. Donc il a confirmé ces chiffres. On n'a toujours pas de réponse claire quant à l'intérêt, je dirais, objectif de Bernard Arnault de récupérer ce journal, si ce n'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, la réponse qu'on a eue du directeur, qu'il veut défendre la valeur information. Donc s'ils veulent vraiment défendre la valeur information, j'invite son nom m'a échappé. Bernard Arnault. Non, j'invite Bernard Arnault à rentrer en contact avec nous, à venir nous financer, nous aussi. Vous n'avez pas peur de perdre de l'argent. Donc envoyez de l'argent vers nous. Vu que vous envoyez de l'argent aux Parisiens, envoyez de l'argent vers nous. Nous, vous inquiétez pas, on va bien l'utiliser. Alors là... Contre lui avant tout. Déjà, on risque de te critiquer déjà sur le fait que si tu refuses, parce qu'apparemment, tu n'as pas peur de perdre de l'argent. Permets-moi de te tutoyer, je pense que tu n'es plus à ça près avec tout l'oseille que ça. Surtout qu'on est, parmi les, en tant que gilets jaunes constituants, on est les plus soucieux de cette valeur démocratique. Surtout d'information. Dans notre définition du terme, à nous. Bien sûr, mais voilà. C'est surtout l'information. C'est-à-dire, quelle blague ce directeur, avec tout le respect qu'on lui doit, parce qu'il a quand même accepté de nous recevoir. Oui, il était très courtois. Il nous a dit qu'il revenait d'une réunion. Nous, on pense plutôt qu'il revenait déjeuner. Mais bon. Ça, après, hein, ça reste entre nous. Mais c'est clair que nous, on se pose vraiment cette question de pourquoi, quel est cet intérêt, quel est ce rapport, comment tu veux faire de l'argent avec de l'information. C'est là qu'à un moment donné, ça bloque. Là, on n'arrive plus à comprendre. Comment tu veux... Moi, je viens, je vais te montrer, je vais te ramener une formation pour un métier. C'est comme nos petites têtes en CAP, tu vois. On vient leur apprendre quelque chose, donc on lui donne une information. Il faut qu'ils payent pour ça. À un moment donné, voilà, c'est ce rapport qu'il y a entre ce dont on a besoin pour vivre, pour être renseigné et pour pas dire de conneries et pour pas être influencé et pas pour partir dans tous les sens. On a besoin d'être sûr que la source de l'information elle-même soit sûre et qu'elle elle est pas là simplement pour nous vendre de l'information, mais plutôt pour nous donner accès à cette information. Une information à laquelle ils auraient bossé pour la chercher, pour l'étayer et nous montrer que c'est la vérité. Parce qu'au final, quand on parle d'information, de quoi on parle ? On parle de la vérité. On parle de qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Donc, nous, si on vient dénoncer tout ça ici sur place, voilà, c'est aussi pour dénoncer cette fausseté et ce côté orienté. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites de beau, là ? Bon, on est venu rendre visite. On a été reçu par le directeur de publication. Je vous filme pas vous, c'est coupé pile poil à la tête, mais on est en direct sur Facebook. Très bien. Donc voilà, bonjour Facebook. Bonjour. Ah, génial. Ils sont contents de vous voir comme à chaque fois. On était venu voir le directeur de publication. Il y a beaucoup de fuck, non, c'est ça? Non. Non, même pas. Des petits cœurs, des petits cœurs. Vous avez enlevé le casque, on s'est reçu. Oui, d'accord. On nous a reçu. Vous avez été reçu, ouais. Et nous, on voulait parler avec les journalistes parce qu'on se pose plein de questions sur Le Parisien. En tant que gilet jaune, on est contre la justice fiscale. Et le Parisien reçoit des subventions publiques chaque année. Or, c'est bien de financer la presse, mais quand c'est dirigé par un milliardaire, pourquoi recevoir des subventions publiques de France. Ah, voilà. Nous, là-dessus, on n'a pas d'avis. Hein. Ben, on est neutre, nous. Hein. Voilà pourquoi on est là. Quand t'es allé où après, du coup? On quitte le lieu. Non, on va rentrer après, là. Tout simplement. On était sur point de... Vous avez été appelé, comment ça se passe? Hein? Non, on passait par là. Des copains, on s'est arrêtés. Très bien, très bien. On est toujours contents de vous voir, nous. On vous a présenté comment, alors?
Les ennemis, faut pas croire. Il y a des gilets jaunes, non, méchants. Pas, hein, c'est pas... Ça reste sans dégâts, machin. Non, on est là simplement pour faire de la critique médiatique. Alors, on a eu un entretien démocratique avec le directeur de la publication du journal Le Parisien, qui a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. On était en train de faire un point sur les échanges qu'on avait eus pour nos amis internautes et pour les Français, et même pour vous, vous pourrez aller regarder ça. Bon, après, vous allez nulle part ailleurs, vous rentrez, vous allez sur un autre site. Nulle part ailleurs, c'est une bonne destination, ça, j'aime bien. Nulle part ailleurs, c'est bien. C'était une belle émission. Vous aviez quoi comme banderole, les gars? Ça ne pas, si tu regardes. Bien sûr. On l'a même pas sorti. Regardez celle-ci, déjà. On l'a même pas sorti, mais... Parce que là, du coup, éditocrate collabo. Est-ce que c'est séditieux? C'est peut-être ça le problème, non? Les gilets jaunes, c'est marqué. On l'avait même pas sorti. Allez, c'est bien ça. On l'a pas sorti. Ça remonte. Vous pouvez noter aussi ce qui a marqué derrière mon gilet. Je vais pas faire tout le. Si, c'est sympa, oligarque en prison. Oui, c'est pour Bernard Arnault. Et pour tous les autres aussi. Oui, bien sûr, ils sont tellement nombreux. Tous les copains à Macron, là, tous les copains à Sarko. Donc on se bouge en fait. Je vous sens bien gilet jaune le samedi, oui. Ah non, moi, vous savez, je suis. Vous êtes neutre. Je suis neutre. Ah. Mais on se bouge pour le samedi, vous êtes en renfort ou à la maison? On se bouge pour votre avenir. Samedi, je travaille, hein, comme tous les policiers de France. Hein. Ah. On se bouge pour votre avenir, on est soucieux de votre avenir en fait. Parce que les suicides chaque année. On a entendu encore un suicide cette semaine. Ouais, encore un suicide chez vous cette semaine. Hein? On est soucieux de ça. Est-ce que vous voulez donner vos identités? Non, parce qu'on on va partir. On est obligé, quoi. C'est une obligation. On est obligé. On va pas en garder. Bah, de toute façon, vous mettrez pas grand temps à retrouver nos noms si besoin. On est suivi par les renseignements territoriaux. Ouais, on a notre agent attitré à nous sur notre rond-point. Donc, on peut vous communiquer ses coordonnées si vous voulez. On était sur le point de partir là. Avant que vous arriviez. On faisait juste le dernier petit point. Vous êtes arrivé trop tard. Si on avait Vous êtes super, vous arrivez pour la conclusion. On conclut avec la paix, avec les forces de avec nos agents de la police nationale. C'est super ça. Qui protège l'oligarchie. Bon voilà, vous aviez un truc à rajouter, messieurs, sur le débrief. On reviendra peut-être, on avait encore quelques questions qu'on n'a pas eu le temps de finaliser, mais avec Wilson, mais ce sera fait apparemment. Il y aura une possibilité de communiquer avec... comment il s'appelle, monsieur? Oui, monsieur... Stéphane Elbouy. Stéphane Elbouy, tu nous as bien reçu. De toute façon, la population constate que les médias sont soumis à l'AFP, qui est dirigé par l'État français, par rapport au pouvoir. Donc, ils n'ont pas de ligne éditoriale indépendante. Donc, apparemment, un ensemble de presse perçoit des subventions de l'État. Donc, automatiquement, ils sont dépendants de l'État, donc de chaque citoyen. Donc voilà. Et surtout qu'ils prétendent que la presse est en danger. Donc d'où le besoin, impératif de faire du financement public pour pouvoir sauver les médias. Donc c'est là aussi qu'il y a une très très forte contradiction, c'est-à-dire que pour sauver les médias, parce que ils vont mourir, c'est ce que eux-mêmes nous disent. Le directeur là nous dit s'il n'y a pas de subventions, s'il n'y a pas d'actionnaires, s'il n'y a pas des gens qui viennent soutenir donc le métier d'informer à travers ce genre de groupe qu'est Le Parisien ou les autres, eh ben, ils disent que c'est la mort de la presse. Donc nous, on dit, ben, paix à votre arme, les gars. Oui, c'est voilà, ça. Paix à une votre coopérative arme. De journalistes. Voilà, exactement. On allumera un cierge et on prendra le relais. Et nous, ce sera gratuit. Ce sera gratos. Eh ben, c'est un bon mot de la fin. Donc on revient sur une prochaine OP, les amis. Et on lâche rien. Montez des équipes.